Good morning, allez, Idan Nassus aujourd'hui, Léoloni Schmatt et David Benfortune de Mazal Fritna, Lucienne Batraina et Lorléa Batbela. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Dumcha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechane Darim, Prekret Mishnah Vav, Amar Konam Basar She'eni Toem, Ad She'yehe Atsom, Eno Asur, Ela Ad Leile Atsom. Shalonit Kavenze, Ela Ad Sha'a Shederech Bnei Adam Le'echol. Rabbi Yossi Beno Omer, Konam shum she'en itoem ad she'tehe shabbat, enu asur ela ad leile shabbat, shelo nitkaven ela ad sha'a shederech bnei adam le'echol shum. On a une Mishnah qui va continuer la fin de la Mishnah précédente en rapport avec la Mishnah Gimel. Je répète très rapidement le principe. Je prends que ce qui m'intéresse du principe, comme ça on avance plus vite, Bezrat Hashem. Lorsque je m'interdis de manger quelque chose jusqu'à telle borne, jusqu'à Karif Pessah, jusqu'à Karif Shabbat, la question générale qu'on avait, est-ce que la borne, tu l'inclus dans la période de l'interdit, ou bien non, l'interdit va continuer jusqu'à l'arrivée de la borne, mais la borne elle-même, elle devient permise. Tu t'interdis de manger des cornflakes, non, cornflakes ça peut être ramettre, ça dépend si on mange kitniot, allez, tu t'interdis de boire du jus d'orange jusqu'à Pessah. Alors là, arrive Pessah, t'as le droit de boire du jus d'orange, bien non, jusqu'à Pessah, jusqu'à la fin de Pessah. Et jusqu'à Pessah, donc même Pessah, ça fait partie de l'interdit. Sur ça, on a une règle claire. Ça dépend comment tu l'as dit, c'est-à-dire ad sheyagia ou ad sheyehe. Ad sheyagia, jusqu'à qu'arrive Pessah, ou même si tu dis ad à Pessah, ça signifie aussi ad sheyagia à Pessah. Donc tu t'inclus pas la borne elle-même, la borne, elle marque l'interruption de ton interdit, donc t'as le droit de boire du jus d'orange pendant Pessah. Tandis que si tu dis ad sheyehe Pessah, jusqu'au jour de Pessah, plus ou moins jusqu'à ce que soit le Pessah. C'est-à-dire jusqu'au jour de Pessah. Ça signifie que les jours de Pessah, ils font aussi partie de l'interdit. Ok? Ça, c'était la première règle. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que lorsque tu t'interdis du vin, par exemple, or à Pessah, on boit tous les quatre coupes de vin, même si tu as dit le terme Hacheyehe Pessah selon Rabbi Yehuda, okay, jusqu'à ce qu'arrivent les jours de Pessah, alors c'est sûr que ton intention, elle était d'inclure que Pessah, ça va être permis à boire. Parce que tous les bons juifs, ils boivent du vin à Pessah, et toi aussi tu vas boire du vin à Pessah, c'est sûr que ton intention n'était pas d'interdire. Ok? Elle n'était pas d'interdire. Ça, c'était ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, et selon le même principe, quelqu'un va s'interdire, Amar konam basar she'en itoem ad she'yehe atsom, je ne vais pas manger de viande jusqu'au jour du tsom. Le tsom, le grand jeûne. C'est quoi le grand jeûne? Le grand jeûne du Yom Kippour. Donc tu t'interdis de manger de la viande jusqu'au jour du grand jeûne. Et tu t'interdis aussi Kippour. Bon, Kippour, on n'a pas le droit de manger de toute façon. Mais la veille de Kippour, qu'est-ce que tu penses? Vous savez que la veille de Kippour, la souda qu'on fait dans la veille de Kippour, c'est la souda mitzvah du Yom Tov de Yom Kippour. Donc maintenant, est-ce que tu as une intention de l'interdire ou pas? Sur ça, vient la Mishnah, elle me dit, non, mais tu sais quoi, c'est sûr que tu n'avais pas d'intention de l'interdire cette période-là, parce que la veille de Kippour, il y a une grande mitzvah de manger. Ouais. Comme c'est bien connu, on est marbé besouda, on ne mange pas la veille de Kippour, la souda mafseket, juste pour avoir des forces pour jeûner. Même celui qui ne va pas jeûner, parce qu'il est malade, parce que c'est une femme qui vient d'accoucher, elle a la mitzvah de manger la veille de Yom Kippour, de faire une belle souda, c'est une souda Yom Tov. C'est la souda de Yom Kippour, en fait. Yom Kippour, c'est un jour gigantesque, qu'Hachem nous a fait cadeau, et pour, lorsqu'Hachem nous fait un cadeau, il faut marquer le coup avec une belle souda. À Kippour, on n'a pas le droit de manger, et ben, tu fais la souda avant Yom Kippour. Donc c'est sûr qu'en fait, dans l'intention, même si tu as dit que jusqu'à ce qu'arrive la célébration de Yom Kippour, en réalité, c'est sûr que ton intention, elle était de ne pas interdire cet après-midi-là, et tu auras le droit de manger de la viande veille de Kippour. Pour ceux qui mangent la viande à Kippour, en général, on préfère manger du poulet, ça revient au même. Ensuite, donc ce que la Mishnah me dit, « Amar konam basar she'initoem mat she'yehe atson, je m'interdis la viande jusqu'à ce qu'arrive la période du jeûne, ou bien jusqu'au jour du jeûne. » Eh bien, Eno Asur Ela Adleile Atsom, il sera interdit que jusqu'à la veille de Kippour, tandis que la veille de Kippour, il aura déjà le droit de manger la viande, excusez-moi. Shelonit Kamenze Ela Tchash Ederech Bne Adam Lechol Basar, parce que son intention, elle était juste jusqu'à que de lever l'interdit lorsque tout le monde va manger la viande. Ensuite, Rabbi Yossi Benom, Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yuda, parce que le début de la Mishnah, c'était. Il s'est précisé son nom, en fait c'était Rabbi Yehuda qui parlait, parce que c'est Rabbi Yehuda qui avait commencé à parler dans la Mishnah précédente aussi, ça continue dans le même principe. Il vient Rabbi aussi, maintenant chez Rabbi Yehuda, et il va me dire lui,
Konam shum she'eni toem ad shetehe Shabbat. Je m'interdis de manger de l'ail jusqu'à ce qu'arrive le jour du Shabbat. Il rajoute donc la formule que normalement, qui exprime qu'il interdit aussi la borne. Or, Ezra tiken. Ezra, il a fait une takana que l'ail Shabbat, il faut manger de l'ail. C'est important. C'est surtout important pour. Ça augmente la production de semences chez l'homme, et ça lui met dans l'ambiance, et le Shabbat, c'est le moment d'accomplir la mitzvah. Et dans ce cas-là, pour favoriser que ce soit de bonne qualité et joyeux, et alors dans ce cas-là, il faut manger, Israël il a fait une takana, qu'il faut manger de l'ail à le Shabbat. Donc, sur ça, il me dit la Mishnah, si c'est interdit de manger de l'ail jusqu'au jour du Shabbat. Alors de nouveau, même principe, Eno Asurela Adleile à Shabbat, il sera interdit de manger de l'ail que jusqu'à le soir de Shabbat, la veille de Shabbat, quand je dis la veille, c'est un peu délicat, parce que c'est pas le jour qui précède, c'est la nuit de Shabbat, là c'est sûr qu'il a le droit d'en manger, pourquoi? Parce que c'est sûr que dans son intention, on n'était que d'interdire la période, de ne pas interdire la période où c'est l'usage, c'est l'habitude de manger de l'ail. Ok? Sur ça, là, dans cette Mishnah-là, la lacha, elle n'est pas du tout retenue comme ça, ni à propos de la viande pour Yom Kippour, parce que c'est pas tellement obligatoire, on peut se débrouiller autrement, et aussi l'histoire aussi du choum, c'est pas une takana, c'est tellement une mitzvah tellement où il faut faire attention à bien accomplir. C'est bien, c'est important, mais c'est un conseil, mais c'est plus quelque chose qui va nous exprimer que c'était surtout l'intention. À la différence de la Mishnah précédente, on avait évoqué le vin jusqu'à Pessah, c'est sûr que mon intention était de permettre le vin à Pessah, parce que là c'est une vraie takana forte que personne ne contourne que de boire les 4 verres de vin à Pessah. Ok? Donc dans toute notre Mishnah, la reine n'est pas retenue comme ça, mais réellement il n'aura pas le droit de manger de la viande même pour la soda meuf, c'est qu'à Yom Kippour, il n'aura pas le droit de manger de l'ail même pour jusque le fameux soir de Shabbat. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, comme tout, c'est là.